Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Espagne qui ne parle que d'une chose ce matin, Lucas Digne. Le transfert du Parisien vers le FC Barcelone pourrait être annoncé aujourd'hui ou demain par le club qui va débourser près de 20 millions d'euros, presque autant que pour Samuel Umtiti, 25 millions, qui lui a été officialisé hier. En Angleterre, le nom du nouveau coach des Three Lions se précise. L'actuel entraîneur de Sunderland, Sam Allardyce, est favori et pourrait ramener Gary Neville dans son staff. Côté transfert, le Mirror annonce que José Mourinho souhaite recruter un joueur qu'il connaît bien et qu'il a apprécié lors de son passage à Chelsea. Il s'agit de l'Espagnol Fabregas, ce qui ne déplairait pas à Antonio Conte qui lui est tout proche d'engager N'Golo Kanté. Si un transfert de Fabregas à Old Trafford est possible, celui de Willian est désormais impossible. Les Blues ont décidé de le prolonger et lui ont proposé près de 10 millions d'euros par an, d'après les informations du Daily Star. Dans le Sun ce matin, on évoque le cas de Thierry Henry. Alors qu'il devait s'asseoir sur le banc des moins de 18 d'Arsenal cette saison, l'ancien buteur des Gunners a été chassé et c'est Arsène Wenger qui a pris la décision. Le technicien français a refusé que Thierry Henry cumule ses fonctions de consultant à la télé et celui d'entraîneur au sein du club, ce qui donne des idées à West Ham et à Watford qui voudraient le débaucher pour leurs équipes jeunes. En Italie, Pjanic à peine débarqué à la Juve fait déjà une réclamation. Il voudrait voir Gonzalo Higuain sous le maillot de la vieille dame, comme le rapporte Tuttosport. Mais le Napolitain est très courtisé, notamment du côté d'Arsenal. Enfin, la Turquie s'enflamme ce matin pour l'unique buteur de la finale de l'Euro, l'attaquant lillois Eder. Selon le journal Fanatique, Galatasaray s'intéresse désormais au bourreau des Bleus. Et même si le Portugais vient de signer pour 4 ans au LOSC, les Turcs sont prêts à mettre la main à la poche pour lui racheter son contrat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.